Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout. Que la paix, la grâce et la bonté du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre ami, votre frère, votre collègue, le prophète Jean-Luc. Shalom à tout le monde. Affaire deuxième mandat du président Félix. Affaire deuxième mandat. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Seigneur, je suis devant toi et devant ton peuple. Je ne vais pas parler de ma part, mais je vais parler de ta part. Laisse que ta grâce, ton amour, ta bonté, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous guide dans ce que nous sommes entrés, de pouvoir présenter à ton peuple, afin que ceux qui doivent écouter tes pensées, tes raisonnements, et qui doivent comprendre ce que tu veux, soient avertis au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Si souvent, lorsque le Seigneur m'envoie parler à son peuple, c'est pour avertir, alerter le peuple de Dieu, sur tous les enfants de Dieu, de comprendre, de savoir, enfin, de bien vouloir se positionner pour bien marcher. Je vais me permettre de lire un passage dans la Bible. Ésaïe chapitre 30, le verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Amen. Je reprends. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Amen. L'Éternel a utilisé son serviteur qui est le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe était en train de dire comment les enfants sont devenus des menteurs. Des gens sont devenus des personnes qui ne peuvent pas écouter. Des gens qui doivent toujours chercher à gauche comme à droite à fuir la volonté de Dieu et à fuir ce qu'a vu l'Éternel. Et il précède tout par les mensonges. Si je serai long, écoutez-moi et donnez-moi votre oreille. Je vais parler de plusieurs choses, peut-être trois ou quatre. J'ai fait plusieurs visions. Et dans ces visions que l'Éternel était en train de parler, je vais commencer pour que vous compreniez. Je m'étais retrouvé devant le président de la République. Et il était dans sa cour, entouré de tout le monde qui pouvait être. Et cependant, j'étais en train de lui parler. Mais il n'était ni intéressé, il ne voulait ni écouter. Et il me faisait comprendre qu'il avait déjà tout compris et qu'il n'était pas intéressé. Et là, le Seigneur m'a dit, tu as vu, tu as compris, cet homme ne va pas écouter. Et cet homme ne va rien recevoir. Il m'a dit, même si vous parlez, il ne va pas écouter. Même si vous dites, il ne va rien comprendre. Je ne suis pas en train de te décourager. Mais je suis seulement en train de te dire. C'est là qui possède la voix de Dieu. C'est là qui possède ce que le Seigneur a pour eux. Leur message ne va pas passer dans les oreilles de Félix. Il ne va pas vous écouter. Il ne va pas nous écouter. Il dit nous, les serviteurs de Dieu. Mais ces populistes-là, ceux qui sont, ceux dont on a regroupé et on donne à ceux-là qui reçoivent les 100 000, 100 000. Et lui-même le sait que ces gens, ils parlent par influence de ces 100 000, ils ne disent pas la vérité.
Mais comme il a besoin de la popularité, il a besoin de ce qui est populaire, il va leur donner l'attention et il va les écouter. Et vous, il ne va pas vous écouter. Le Seigneur dit que cet homme ne va pas vous écouter. Vous qui demandez des audiences pour le voir, vous qui voulez l'écouter, vous qui voulez l'envoyer des messages, il ne va plus nous écouter. Le scellé qui se conduise selon ce qu'il pense et ce qu'il veut. Asiyefunzo wazazi, ce monsieur ne va plus vous écouter. Ce monsieur ne vous écoute pas. Ce monsieur, il dit avoir déjà tout compris et écouté. Il ne veut pas attendre, il ne veut pas la raison, la vérité, le chemin et la vie. Non, ça ne l'intéresse pas. Si vous venez avec le chemin, il n'est pas dans ça. Vous venez avec la vérité, il n'est pas dans ça. Vous venez avec la vie, il n'est pas dans ça. Il est dans ce qu'il pense et ce qu'il est en train de trouver mieux qui peut le faire garantir son temps et son pouvoir. Botika, là-bas, oh, bazolo, babazo, bon de la peau, na mon compte. Et talibine. Oh, Bible lobby, prions pour les autorités de nos pays, puisque prions pour leur bonheur. On prie pour celui qui vous donne le bonheur. On prie pour celui qui est avec vous. On prie pour celui qui connaît ce que vous êtes en train de faire. Mais on respecte, comme Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais vous priez pour le bonheur de celui qui vous retourne pas le bonheur. Donc vous priez pour que lui soit heureux, pour qu'il continue à vivre dans son bonheur, et vous aurez les pauvres en esprit. C'est ça, non? Vous acceptez d'être pauvre, vous acceptez de souffrir. Mais que, bon, continuez à prier. Mais moi, je vous dis, ce que vous avez en Zambe, ce que vous avez en Zambe, ce que vous avez en Zambe, 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 vous avez en Zambe. Et j'étais sorti dans cette vision-là. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je vais voir une deuxième chose. À faire un deuxième mandat. Je vois la MONUSCO. La MONUSCO. Mission des Nations Unies. La Congo. MONUCTE. MONUSCO. Je vois là MONUSCO. C'était entre le 23 et le 24 mai 2024. Je commence à me poser une interrogation. C'était entre le 23 avril et le 23 mai 2024. Je me pose une question et je vais la répondre. Je vois le SRRJ, le sous-secrétaire général, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le représentant en République démocratique du Congo. Je le vois aller au Conseil de sécurité des Nations Unies et il est en train de faire un discours. Normalement, c'est entre ces périodes-là que l'on vote les mandats. Ou soit on prolonge le mandat des Nations Unies. Je les vois en train de voter et de parler. Il dit que pour des besoins, pour ceci, le mandat de la MONUSCO a été prolongé. Non, il présente un besoin et le Conseil de sécurité va accepter qu'on prolonge un mandat encore d'une année. Mais avant qu'il ne parte, le Seigneur me fait voir quelque chose. Quand il était parti là-bas, il n'était pas parti pour prolonger les mandats. Il était parti pour présenter et activer les plans de retrait des troupes de la MONUSCO qui existent. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir. Mais avant de partir,
il y a eu des concertations avec le gouvernement. Il cambona deuxième mandat ça m'attaque. Ngulu akolia mwana naye. Premier mandat il y a eu bat. Deuxième mandat. Soko zalaka na nzambe na yo kangama naye. Mais naibi bozalaka naye. Soko zalaka na satana kendo bakisa dose. Pour deuxième mandat il y a bat. Bozwa message nanga ka lelo ya. Ekolia mais nazo mona ke ngulu akolia mwana naye na deuxième mandat. Bonsoir, frère, on a zolo babi, hein. Tu retournes là. Binon de boye, sa rabi soit, que ngou loa diaga moi anaye. Nazo mona, nazo bang, que ngou loa olia moi anaye. Deuxième mandat. Et avant que ces gens, le secrétaire, n'aille là-bas, il y a eu des discussions, ils ont parlé avec le pouvoir en place. Et monsieur le président, ça, l'éternel, quand je dis des choses, souvent les gens ne me comprennent pas. Mais plus tard, les gens reviennent. Ils disent, ah, on nous avait dit, on nous avait dit. Vous vous rappelez qu'on avait dit en 2020 que je voyais Donald Trump entrer dans le palais de justice et il n'avait pas sa veste. Et il y avait un hélicoptère militaire au-dessus. Vous vous rappelez? Et après, il était sorti. Vous vous rappelez? Voilà ce que je vois. Je vois, monsieur le secrétaire, discuter avec l'actuel président à propos de leur programme de retrait. Mais intentionnellement, ils viennent voir le président. Et un marché va se passer. Le marché, c'est lequel? Le président leur demande de rester en RDC, de continuer, mais qu'eux aussi l'accordent aussi son deuxième mandat. Le président va leur demander de rester. Et aussi qu'il lui accorde son deuxième mandat. Et ils vont dire oui. Mais par rester au Congo, ce n'était pas question d'une année, mais c'était question de 5 ans encore, sans parler des programmes et de plans de retraite, ou de programmes, de plans de retrait de la MONUSCO, mais plutôt aller parler de la prolongation de leur mandat. Puisque le plan de retrait existe. Depuis, ils ont un plan pour le retrait progressif. Et le plan de retrait progressif devait être activé en 2024. Où les troupes devaient commencer à se retirer progressivement. Mais pour le... Entre chef et chef, ils se sont dit, non, moi je vais garder ma chaise, vous aussi gardez votre bande, mais laissez-moi. Et la MONUSCO a dit, ok, merci, c'est bon. Mais ce que je vois, c'est en 2024 qu'ils vont présenter ça. Et que le chef doit rester et il doit rester. Point d'interrogation. Y aura-t-il élection? Puisque s'ils doivent parler dans cette époque, pendant cette époque-là, c'est-à-dire il n'y a pas élection. C'est-à-dire, je n'ai pas encore dit que le Seigneur m'a dit qu'il n'y aura pas élection. Mais quand je fais une analyse par rapport au message, je me pose la question, si c'est dans cette période-là qu'ils doivent présenter leur programme de rester ou de prolonger, c'est que il y a l'anguille sur roche. Ils vont aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils vont aller... Ils étaient partis pour amorcer les programmes de retrait de leurs troupes. Mais ils vont dire que le gouvernement a présenté un besoin de l'air. Qu'il reste d'abord, qu'il continue, puisqu'il y a un besoin encore pour eux. Ils ne vont pas dire que ce sont eux, mais ils vont dire que c'est le gouvernement qui les a invités, c'est le gouvernement qui demande qu'ils restent. Donc, c'est le gouvernement qui ne veut pas que la MONUSCO parte, puisque le gouvernement veut qu'ils restent,
Et ça parle de tout ce que ça peut dire, insécurité, machin, machin, pourvu qu'eux aussi restent. Donc, pour avoir ce deuxième mandat, on va donner à la soi-disant communauté internationale ce qu'elle veut. On va donner au pays régional ce qu'il demande. Le pays de l'EAC. On va aussi donner au Grand Bwana aux États-Unis. Dans les jours qui sont devant nous, vous allez voir comme si toutes les portes vont sembler se fermer tout autour du Messie, tout autour du président actuel. Et il va se replier sur les États-Unis pour demander la main. Donc, il va demander cette main à la communauté internationale représentée par le secrétaire général des Nations Unies, la MONUSCO donc. Il va la demander au niveau régional. Il va la demander au niveau des USA. Et les USA vont accepter, ils vont lui dire à condition que tu nous accordes ce que tes prédécesseurs n'ont pas su faire, que le pays soit administré par nous, contrôlé, dirigé par nous, sous le plan de la balkanisation, en commençant par les Katanga. Je souligne, un jour je vous avais posé la question, j'ai dit, depuis que l'actuel président est au pouvoir, allez observer dans les Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kipushi, observez ce que je vous dis là. Je vous l'avais dit et je l'ai dit encore. Boke Nokuta, ma fille est belle, Namibali, Bazolima, na Kigali, Gisenyi, Rwengeli, Misusu Bazoloba, Bazolima, na Goma, mais les appels à Goma, c'est un camouflage. Il y a Rwandais et notamment la communauté de Tutsi est belle depuis Félix Anapoura. Est belle. Bisika on a tangé les mêmes choses. Que Lubumbashi est l'Eldorado de Bangoya Sika. Pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Parce que le nord qui veut le sud, qui veut déjà acquis, il faut envahir le Katanga. Bon, que de vous vérifier au bout d'abas, si vous avez un peu de misal, vous avez un peu de misal, vous avez un peu de misal, Lubumbashi, Kolwezi, Kipushi. Bokende ta sakati bokende boya boye bisanga, vous allez voir un peu partout là-bas les manono et consorts, vous allez voir que vous allez me dire. Et qu'est-ce qu'on va donner à la population congolaise? Des promesses comme d'habitude, des promesses comme d'habitude. Et il y a trois personnes qui vont se retrouver. Les USA, la soi-disant communauté internationale et les pays de la région des Grands Lacs. Les pays de l'EAC pour le deuxième mandat. Quand est-ce qu'il y aura élection? Je ne sais pas encore. Je dois poser la question au Seigneur. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? Je reviendrai pour vous dire ce que vous devez faire. Et comprenez que pour le deuxième mandat, en tout cas, on va tout faire. On va tout faire, puisque il veut à tout prix. Comme les choses ne vont pas marcher à gauche comme à droite, avec celle-ci, tel partenaire, tel partenaire, tel... Vous vous posez la question, pourquoi on a amené tout le monde dans la boîte maintenant? Que Dieu bénisse celui qui a compris. C'était pour vous le prophète Jean Lucas. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Et active ta cloche de notification. Enfin, tu recevras chaque fois le message que nous donnons. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il a un autre plan. Et comment lui-même va dissoudre la MONUSCO. Sans le secours d'aucun homme. Lui-même va les dissoudre. Je viendrai vous le dire. Par eux-mêmes, dans leur propre conflit, ils vont dissoudre la MONUSCO.
Est-ce que les politiciens congolais ils ne voient que leur intérêt? Il n'y a pas de politiciens mauvais sur la terre comme les politiciens de la RDC. Je l'ai toujours dit. Nous devons prier le Seigneur. Nous allons faire une prière générationnelle. Je vous dirai quand est-ce que nous allons faire une prière générationnelle. Nous devons prier le Seigneur qu'il élimine la mauvaise génération et sa sémence. Vous savez, quand Samson était décédé et tout de Samson était parti, si seulement la sémence de Samson était restée dans Delila, il allait encore avoir quelqu'un qui obéit, qui a la force de Dieu, mais qui désobéit à Dieu. Il faudrait que la sémence... Il ne faut pas faire comme David qui a tué Goliath et il a laissé la race de Goliath. Nous devons prier le Seigneur qu'il tue Goliath, qu'il donne au David la force de tuer Goliath et leur race. Il faudrait que cette génération, avec toute sa race, Bakende. Exode chapitre 12. Exode chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Nicolas. Shalom. Bien-aimés, nous avons un projet que nous sommes en train de faire. Notre projet, c'est le projet de la scolarisation. Nous sommes en train de scolariser les enfants à Kinshasa. Nous avons foutu là-bas la classe, à 390. Nous avons mis ça dans ma casse, dans ma mission, dans ma coquille, dans ma mission, ok. Tu vois qu'on a besoin de 1000 euros chaque. À l'école, mon roi qui s'est dit, comme tout le prophète, comment est-il possible que tu aies une sabana 300 euros? Nous avons moins de yoga à l'école. Nous avons moins de contribution à la mission bouquet. Nous avons payé sa bango à condition que ma bingane la mission banane la classe. Banana basa banana bate. Basa pe banana bate. Basa banana mission. La moka la mission. Sumama. Prophète a sendu. 10 dollars, 1, 5, 20, 100, 1000, et ça va. Tina juillet, on va continuer à recevoir un bon goût pour battre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.